Je suis choquée de voir à quel point ce haut me fait des gros nénés. Je préfère vous dire tout de suite, ceci est une arnaque. Hey, let's rock this way. This party will rock every minute stolen. If you wanna be my midnight mover, you blow my mind. And it would be kind of a groovy story. If you wanna be my midnight mover. Ouais, aïe. Et ceci est un échec. Wesh. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous dévoiler 15 faits slash choses bizarres sur moi. Parce que je me suis dit, j'ai débarqué dans vos vies comme ça. Et c'est vrai que vous me connaissez pas vraiment. Donc j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur moi. Donc je me suis munie de mon organisateur désorganisé, j'ai noté les 15 choses les plus bizarres. Et c'est parti! Depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps le sourire. Que j'aille bien, que j'aille mal, je me cache derrière mon sourire tout le temps. Rares sont les personnes qui m'ont vue sans mon sourire, vraiment. On va croire que c'est tatoué sur ma face, tu vois, je suis là. La deuxième chose, c'est que je préfère offrir des cadeaux plutôt... Je vais pas réussir à aligner cette phrase, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que je préfère offrir des cadeaux plutôt que d'en recevoir. Genre maintenant, j'ai ma soeur, mon frère qui me dit « Ouais, ça me ferait trop plaisir d'avoir ça, mais je peux pas me l'acheter parce qu'en ce moment, j'ai pas trop les moyens. » Je vous jure, je vais travailler jour et nuit s'il le faut pour pouvoir l'acheter et lui offrir parce que j'aime trop voir le sourire sur la tête de la personne. J'adore ça, c'est ma passion de rendre heureux les gens, je te jure. La troisième chose qui est grave grave bizarre, c'est que je déteste quand les personnes boivent un truc chaud à côté de moi parce qu'elles sont là. Oh, ça m'énerve. Moi quand je bois du thé chaud, je le fais aussi. Mais quand c'est les autres qui le font, ça m'énerve, je peux pas les écouter. Ça m'énerve, ça me stresse, j'ai envie de... On se castagne sur le palier, au calme. Je suis obligée de quitter la pièce. La quatrième chose, c'est que je déteste l'odeur du chocolat. Par exemple, quand je fais un gâteau au chocolat, cette odeur-là, je l'adore. Par contre, l'odeur du chocolat qui sort de la bouche de quelqu'un, je déteste, je trouve que ça pue tellement. Ah, j'imagine le chocolat en train de fondre dans sa bouche et l'odeur qui sort et ça rentre dans mes narines. Je peux pas, je suis désolée mais je peux pas. La cinquième chose, c'est que je suis une grosse accro au thé noir au citron. Alors ça, je peux t'en boire des litres et des litres. Petite anecdote, quand j'avais 1 an ou 1 an et demi, ma soeur elle jouait à la poupée avec moi. Du coup elle m'avait couché dans la cuisine sur 2 chaises. Elle m'a dit, tiens ma puce, tu veux encore du thé? Bois. Et elle m'a fait boire, je crois, 1,5 litre de thé. On me l'a raconté parce que moi, genre personnellement, je m'en souviens plus. J'étais en train de marcher avec les jambes écartées en mode canard ou pingouin. Et j'avais le pipi qui coulait dans tout le salon. Et je passais devant mes parents et je les regardais comme ça. Genre l'air de rien. Mais ma soeur, elle m'a gavée de thé. Et depuis, je kiffe le thé au citron. La sixième chose sur moi, c'est que du haut de mes 26 ans, parce que j'ai encore 26 ans, le 24 septembre, j'aurai mes 27 ans. Si vous voulez me le souhaiter, pas en avance, hein, mais venez sur Insta, ça me fera très 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 plaisir. Donc le 24 septembre j'aurai 27 ans et du haut de mes 27 ans je préfère encore regarder des dessins animés plutôt que des films. Est-ce que je suis bizarre? Non, je sais pas. En tout cas, je vis pour Walt Disney. J'adore Walt Disney. Ça devait être mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. J'aime bien aussi les séries du type Hannah Montana. Hannah Montana, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans, je crois. J'ai tellement kiffé que je voulais m'acheter la même perruque. Je voulais me promener en ville en me faisant passer pour Hannah Montana. J'étais complètement barge, je vous jure. Mais j'étais trop fan. La septième chose qui est très bizarre sur moi, je dis tout le temps zep zep. En fait, je squattais souvent avec des gens qui disaient The Bee à l'époque. Et moi, The Bee, genre, je trouve que quand je dis The Bee, ça me va pas, tu vois. Donc quand il y a un truc qui m'énervait en disant The Bee, je disais Zep Zep. Et en fait, depuis c'est resté, je sais pas, essayez de dire chez vous Zep Zep. Vous allez devenir aussi accro que moi au Zep Zep. J'ai contaminé tous mes potes. Tous mes potes à une époque, ils disaient Zep Zep à cause de moi. Je voulais pas dire The Bee, alors je dis Zep Zep. C'est un vocabulaire inventé. Je m'invente souvent du vocabulaire. La huitième chose qui est assez bizarre sur mon corps, c'est que quand j'ai une grosse montée de stress, j'ai trop mal en bas du dos. Et en fait, ça commence à me bloquer et j'arrive plus à bouger. S'il y a un médecin qui passe par là, si vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avec mon corps,
J'aimerais bien savoir parce que à 26 ans, normalement, je devrais pas avoir ce genre de choses. La 9e chose qui est assez bizarre sur moi, et celle-là, elle est très très bizarre. Genre, je peux pas me toucher le nombril ou voir quelqu'un qui se touche le nombril. Ça me... J'arrive pas. Je me dis, mais comment ils font les gens pour se toucher le nombril? Le nombril et aussi les os des pieds. Genre, vous voyez les os qu'on a là? Genre, les deux là, je peux pas les rapprocher ensemble. Les gens qui font Koh-Lanta, quand ils font l'épreuve des poteaux, ils doivent mettre les pieds joints. Mais comment ils font? Je suis choquée et genre, je peux pas voir ça. Quand je vois des personnes qui ont genre les pieds collés l'un à l'autre comme ça, ça me... La dernière fois quand j'ai fait mon saut à l'élastique, je devais me mettre pieds joints. Ce que je fais, c'est que je décale un peu mes pieds. Je mets un pied un peu plus en avant et l'autre un peu plus en arrière. Comme ça, les os, ils se touchent pas entre eux. Juste m'imaginer que les os des pieds se touchent, ça me met mal. La 10e chose qui est assez bizarre avec moi, c'est que je suis une meuf qui, quand j'ai un travail, tu vois, dans la vie normale, faut déjà savoir que moi, je me mets jamais en arrêt, sauf si je suis vraiment malade. Mais quand je suis vraiment malade, je préfère me rendre à mon lieu de travail pour qu'ils voient que je suis pas bien. Comme ça, après, ils me disent, vas-y, rentre chez toi ou va chez le médecin. Quand je prends mon téléphone et appeler mon employeur, j'ai trop l'impression qu'il va penser que je mens juste parce que j'ai envie de rester à la maison. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique chez moi, mais j'arrive pas à appeler mon employeur et lui dire « Ouais, je suis pas bien, je suis malade, je reste chez moi. » J'arrive pas. Quitte à crever, je préfère crever sur mon lieu de travail. J'ai trop l'impression qu'il se dit « Elle se fout de ma gueule, elle est pas vraiment malade, on va la virer. » Et puis du coup, l'image qu'il a de moi, elle va changer, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas. Le 11e point qui est un peu bizarre sur moi, ça rejoint un peu le point numéro 10, c'est quand je vais dans un magasin et que je sors sans rien acheter, j'ai trop l'impression d'avoir volé quelque chose. Je suis pas bien. Je suis en sueur, je passe devant le vigile et je sors. Et je me dis, Sylvia, calme-toi, t'as rien volé. Et du coup, je commence à transpirer, je suis pas bien, je me dis, mais pourquoi je suis comme ça? J'ai rien volé pourtant. C'est trop bizarre. Je vous jure, c'est trop bizarre. Dites-moi si ça vous le fait aussi. La 12e chose qui est un peu bizarre sur moi, je sais même pas si c'est vraiment bizarre, mais quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Toute ma vie, j'ai voulu avoir un animal de compagnie et ma mère n'en voulait pas. Et du coup, quand j'avais 13 ans, je suis allée dans une animalerie et je voulais m'acheter une petite souris. La vendeuse voulait pas m'en vendre parce qu'elle m'a dit que pour acheter un animal, il fallait minimum avoir 16 ans. Du coup, il y avait une femme qui était dans les rayons, qui se promenait, elle avait l'air cool, tu vois. Et je lui ai dit, madame, j'ai de l'argent sur moi, sauf qu'on ne veut pas me vendre une souris, est-ce que vous pouvez me l'acheter? Ce sera mon animal de compagnie et tout. J'étais toute chou, tu vois. Elle m'a dit, ah bah oui, pas de soucis. Donc je lui ai donné ce que j'avais. Elle m'a acheté la souris. En rentrant chez moi, j'étais trop stressée. Je savais pas ce qu'elle allait dire ma mère, comment elle allait le prendre. Et du coup, ma mère, ce jour-là, elle était au téléphone avec mon père dans la cuisine. Et je suis vite passée dans ma chambre. Et j'ai balancé le carton avec la souris sous mon lit. Et ma mère, elle sentait, tu vois, qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle est cache rentrée dans ma chambre. Moi, je me suis mise debout, genre, il y a rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, et tu caches quoi? Elle a commencé à fouiller toute ma chambre, elle a trouvé la souris, elle a commencé à péter un câble. Elle a dit, mais tu te fous de ma gueule, je t'ai dit qu'on n'allait pas avoir d'animal de compagnie. Au final, on l'a quand même achetée. Quelques semaines après, elle est morte. Et je comprends toujours pas pourquoi, parce que bah, je la nourrissais, tu vois. Après, j'étais tellement pas bien, parce qu'il faut savoir que moi, je suis un petit bisounours, je m'attache vite, que ce soit aux humains ou aux animaux. Et du coup, elle est morte, on lui a fait un enterrement dans le jardin. Et après, pour que j'aille mieux, ils m'ont acheté un hamster. Mon hamster, il avait toujours l'habitude de mordre la cage. Et un jour, je suis allée à l'école et en revenant, mon père, il me dit « Ah, j'ai changé la cage, regarde, là, il est bien et tout. » Et le soir-là, mes parents, ils avaient une soirée. Du coup, ils sont partis et je suis restée seule à la maison avec ma sœur. Et du coup, j'étais dans mon lit en train de lire un livre et j'entends l'hamster qui est en train de mordre la cage. Après, j'entends plus rien pendant genre 3 minutes et ça, c'était bizarre. Et après, j'entends des petits pas par terre. Et je me suis dit, mais attends, elle a quand même pas bouffé la cage, elle est sortie. Je regarde, l'hamster, il était dehors. Je regarde dans la cage pour voir par où elle a pu sortir. Et dans la cage, il y avait un deuxième hamster. Je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? Et du coup, j'appelle ma soeur, je dis, Sabrina, regarde, il y a deux hamsters et tout, je comprends pas. Et en fait, mon père l'avait tenu au courant. Mais mon père, le pauvre, quand il a changé la cage, l'hamster, il s'est enfui et il s'est dit, vas-y, je passe vite au magasin, acheter un deuxième hamster. Comme ça, quand elle rentre en moi, elle le voit dans la cage. Et il voulait pas me faire mal au cœur, du coup, il s'est dit, le temps que l'autre y revienne, moins elle a celui-là. Et il s'avère que c'était un mâle et une femelle. Du coup, ils ont fait des gosses
et je suis tombée allergique aux hamsters. Bon, là je pense qu'aujourd'hui je suis plus allergique aux hamsters, mais je suis tombée allergique, j'avais attrapé plein de boutons et tout. Et du coup, on a dû les donner. Voilà, c'était l'histoire de ma vie et de mes hamsters. La 13e chose qui est assez bizarre sur moi, c'est que je me lance à chaque fois des défis. On va dire par exemple que j'ai un crush et je me dis, si j'arrive au passage piéton avant le vélo qui vient en face, ça veut dire qu'il m'aime. Si j'arrive pas, ça veut dire qu'il m'aime pas, tu vois. Et après, je donne tout pour arriver au passage piéton avant le cycliste. Je me lance tout le temps des défis comme ça et parfois c'est chiant parce que quand je perds, bah ça m'énerve. La 14e chose bizarre à savoir sur moi, c'est que je vis pour le sucre. Je préfère manger sucré que salé. Il y a des jours, je peux manger sucré, mais toute la journée, je me nourris de Kinder Bueno, de Snickers, d'où le... Depuis que je suis toute petite, je mange tout le temps sucré, sucré, sucré. Je me suis habituée à manger sucré et je me suis dit, c'est pas possible, je vais finir par avoir... Ah, comment on appelle la maladie où t'as trop de sucre dans le sang? Je voulais parler du diabète. Voilà. Je pensais que j'allais avoir cette maladie-là, mais en fait... On dit que non, que tout va bien, que le taux de sucre est tout à fait normal. Je me suis dit, hein, sérieux? Je suis sûre, ils ont mal fait les tests. Et la 15e chose, du haut de mes 9 ans, j'ai gagné un concours de beauté. Je vous explique un peu, il y avait moi qui participais, ma soeur, une cousine à moi et plein d'autres filles. On était au moins une quinzaine, une vingtaine à participer. Et le truc, c'est que le public qui choisissait la gagnante. Donc en gros, la fille qui avait le plus d'applaudissements remportait le concours. Après, très honnêtement, je pense que le public, s'il m'a fait gagner moi, c'est parce que j'étais la petite jeune, tu vois. Ils voulaient me faire plaisir et ça m'a grave touchée. Donc merci, ils m'ont grave rendue heureuse ce jour-là. Et j'ai gagné ce jour-là 150€ de bons cadeaux pour la lingerie Sip. Je me suis dit, hein, déjà à 26 ans, j'ai pas de huc, j'ai pas de huc. À 9 ans, j'étais plate comme un balai, tu vois. Du coup, les bons d'achat, c'est mes parents, enfin surtout ma mère qui l'a pris, elle s'est acheté des sous-vêtements avec. Et moi, ils m'ont donné l'argent en liquide, donc franchement, j'étais trop refaite. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu en as appris un peu plus sur moi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser ton pouce bleu. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelques faits bizarres sur toi. Ça m'intéresse de vous connaître un peu plus aussi et de savoir si vous êtes tout autant bizarre que moi. Ici, on va se créer une communauté de gens bizarres. Donc si tu veux faire partie de cette communauté, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et rejoins-moi sur Instagram parce que c'est là-bas où je fais tout le temps des stories, où je mets des posts, des vidéos, des IGTV, etc. etc. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao!